mes frères congolais, rentre dans mon inbox pour insulter ma mère, mon père, ma descendance. Donc à mes frères congolais, je vais vous parler une fois pour toutes. Déjà, vos insultes que vous faites dans mon inbox ne me disent absolument rien. Je suis quelqu'un qui est habitué. Suite à mon poste que j'ai fait par rapport à tous les concerts qui sont programmés le 25, en aucun cas on a demandé de boycotter Ferregola parce que pour les gens qui me connaissent, je suis très véridique. Si je voulais qu'on boycotte, j'allais dire, les gars, Ferregola, vous le boycottez. Voilà. J'ai dit que ça ne m'intéresse pas parce que Ferregola n'est pas obligé de demander ici à nos artistes quand est-ce qu'ils font leur concert. Je m'adresse même pas à lui parce que je ne le connais absolument pas. Je ne suis pas un friand de la musique congolaise. Ça, c'est de un. Moi, je suis Zouglou. D'accord? Donc, ce sont nos artistes ivoiriens parce que j'ai vu que Ferré, c'était le 25 aussi, il joue. Et il y a Didi B, il y a Willy Dombo, et puis il y a Kérosène. Ils sont tous le 25. Donc quand je dis pour Ferregola, m'intéresse pas, ça veut dire que je n'en veux pas à Ferregola d'avoir fait le 25. Parce que c'est son droit, parce qu'il ne sait pas comment les concerts sont faits ici. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur pour venir chanter ici en Côte d'Ivoire. Et j'en veux, c'est pour ça que j'ai dit, ça ne m'intéresse pas, parce que je n'en veux pas à Ferré, parce que Ferré, lui, il n'est pas au courant des choses ici. J'en veux aux trois autres qui sont des personnes que nous tous apprécions, qui sont des têtes de fiche, comme Willy, comme Kérosène, comme Didi B. Et je trouve vraiment dommage, parce que je sais que Willy, lui, il fait la promotion de tout le monde. Kérosène aussi, Didi B. Je trouve vraiment dommage qu'on soit assis et qu'on soit obligé de choisir entre trois personnes. C'est pour ça que j'ai dit que pour Ferré ne m'intéresse pas, parce que réellement, Ferré, lui, il vient de l'extérieur, il a sa musique, il a des adeptes de sa musique, donc il n'est pas obligé de s'aligner à nos artistes qui sont ici. Donc lui, il peut faire ce qu'il veut et nos artistes ici, ils doivent se consulter. Même si chacun a son public, même si chacun a son public, donc on aurait aimé qu'il y a cette osmose entre tous les publics. Maman, je te rappelle dans 2 minutes. Et c'est pour ça que on a parlé. Et je vois des gens comme Benny Moké, Ferregola n'est pas de ton niveau, frère. Mais frère, j'en ai rien à foutre de ton Ferregola, moi. Ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse pas. J'ai vu un qui m'écrit, il ne peut pas être ton camarade. Mais il faut lui demander, est-ce que moi aussi je peux être son camarade? J'en ai rien à foutre, frère. Hein? Tu comprends? Il y a d'autres qui m'écrivent, oh toi, Libanais, là. Mais je sais que je suis Libanais. Et puisque je suis devant toi, je suis Libanais, je le sais très bien. Donc, j'espère que son concert va être rempli. J'espère que il y a du monde qui vont aller assister à son concert, mais sincèrement et réellement, j'en ai rien à foutre. De ceux même qui m'insultent, il y a un qui m'écrit ta mère, il y a d'autres qui m'insultent en congolais dans le inbox, frère. Ça là, nous on mange. Tu comprends? Moi, même si on m'insulte pas, je sens que je suis pas en forme. Si on m'insulte pas, je sens que c'est pas en forme. Mais je te dis la vérité, toi, ton Ferregola. Ton truc, j'en ai rien à foutre. Karl Mabunzi. J'ai fait affaire, le nom de Ferré, ton histoire va disparaître. Il chante quoi, mais? On te parle de Didi B, on te parle de Kérosène, on te parle de nos artistes ici. J'en ai rien à foutre, frère. Il n'a qu'à venir. Ah. C'est son problème. S'il remplit, on va applaudir. S'il remplit pas aussi, vous allez venir dire voilà, voilà, voilà. J'en ai rien à foutre de vous et de votre ferré, frère. Donc, on est obligé d'aimer quelqu'un ou bien obligé de devenir ami avec quelqu'un.
Ou bien lui, l'objet d'être ami avec moi. Ah frère, c'est vous, il peut nourrir. Hein? Moi, il ne peut pas me nourrir. Hein? Ton ferré Bola ou bien c'est pas ton chanteur ou bien il sait pas quoi ici là. C'est toi, il peut nourrir. Hein? Sinon, moi, il ne peut pas me nourrir parce qu'il n'y a aucun artiste en Côte d'Ivoire qui peut me nourrir. Et puis, je ne peux nourrir personne. Donc, j'en ai rien à battre. Ni de ferré, ni de qui que ce soit. Tu as compris? Vous avez compris? Continuez les insultes. Aïe. Au ferré. Ferré n'a qu'à me faire quoi? Sinon, il pouvait rester chanter là-bas, faire concert beaucoup là-bas. Ferré n'est pas ton camarade, faut pas le boycotter. Moi, boycotter. Il peut me donner quoi? Ou bien il peut lui donner cuit. Je peux lui donner quoi? Ou bien il va me donner quoi? Aïe! Le gars vient, il n'est pas au courant qu'il y a trois autres concerts. On parle de nos gars ici. On parle de nos gars ici qui vont aller trois en rang dispersé dans leur concert. Alors, vous êtes là, Hassan va faire ci, va faire ça, va faire ci, va faire ça. Aïe. Sinon, Roga là. Roga. C'est pas avec Willy, il va être en spectacle demain. Vous avez là un peu quand même, vous êtes quand même un peu borné. Il y a un autre qui me dit, mais va au Liban. Toi, tu es au Congo là-bas, toi, tu as me demandé moi de partir au Liban. Je ne connais pas la route du Liban. Luc, et puis vos noms sont jolis. Hein? Luc Michodini, tais-toi, tu n'es personne. Alhamdoulilah, je suis personne. Je suis étranger, non? Aïe! Espérons que il va remplir le palais des congrès aujourd'hui. Là, c'est le mal que je le souhaite. Dupidi Yamboka. Dupidi Yamboka. Je ne connais pas ça autre chose. Moi, je t'aime. Aïe! Ouais. On dit deuxième. Hein. Venez, depuis hier aujourd'hui, j'ai eu 3 ou 4 000 nouveaux abonnés. Bon, eux tous sont du pays frère, le Congo. Donc, quand c'est dit que, je ne sais pas quoi, c'est un suivi moutonnier à un point, pas possible. Jean, j'espère qu'il vous nourrit aussi, hein. Maestro Profata Golba, ouais, les noms là, c'est bien. C'est bien pour vous. C'est bien pour vous. Ferré ou rien. Ah, Ferré, j'espère que tu vas passer un agréable séjour chez nous en Côte d'Ivoire. Et que tu vas remplir ta salle. Malheureusement, tu ne savais pas que les autres ont fait les... Salut, c'est la vôtre Glody Diasuka, la mignonne. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle pour vous, partout vos amis, vous téléchargez Sendwave. Sendwave, c'est une application pour envoyer de fonds sans frais à partir d'un téléphone Nayo ou télécharger Sendwave. Ozana Poto, Okoki Koti Nambongo, partout, dans certains pays, il y a Afrique, précisément, Bissona Congo, Ozana Poto, ça souhaite qu'on se déplace, c'était à partir d'un téléphone, télécharger Sendwave, Nayo, Koti Nambongo, la seconde, mon coupé Azui, la téléphone, Nayo, la MPSA, Orange Money, Airtel Money. Très facile à utiliser et c'est très sécurisé. Bobangate, Talara Namuru Nazana Kati, et puis cadeau, il y a Nene Oyo, ton mail binonos bozo télécharger Sendwave, vous utilisez code promo Nanga Elengi Yakogo. Donc après avoir téléchargé Sendwave,
Vous pouvez utiliser le code promo Elengi à Congo. Vous en avez 10 euros offerts. 10 euros bonus, 10 euros wana. Et bien, si ce sont moi, un plus, je vais vous donner. En tout cas, n'hésitez pas. Bana poto nyonso ba congolais tout ba diaspora olingi otinda mbongo na Congo, télécharger Sendrive application kitoko pour na biso ba congolais nyonso eye ko faciliter biso transfert d'argent sans frais pour na mbongo au futa te kaka na kati application au sali transfert na yo pende kono kuna enquêter le maté na mulongo pona ozela ba pese mbongo directement na téléphone na ye azu mbongo na ye. N'oubliez pas ya ko utiliser code promo nanga Elengi ya Congo pona bozwa 10 euros ya bonus. Téléchargez l'application, inscrivez-vous, vous avez les coordonnées. C'est très facile à utiliser, les noms complets, les numéros, ba email tout e ko singa biso na kimia nyonso na tranquillité après avoir ko remplir nyonso. À partir à wana ko ça la transfert na yo ya ba fonds oyo lingi na Congo nde ko na yo aza satisfait malade au bout moyo kende ko tinda mbongo so ki wapite na téléphone na yo kaka directement ou envoyer mbongo pe komi la sécurité nyonso congolais tout aux na Belgique na France na diaspora tout mo tinda mbongo na Congo ko hésiter te Sendrive et ye pour na ko faciliter biso na ba transfert d'argent facile et sans frais. Sendrive, mbongo na chombo, la tranquillité. Les concerts le 25 aussi. Et donc, j'espère de tout cœur que tu pourras remplir cette salle. Et je sais de tout cœur que tu pourras passer un agréable moment parce que malheureusement, je ne pense pas que tu étais au courant de l'événement. J'espère que bon, ça ne va pas impacter ton concert parce que malheureusement, il y a 3 autres concerts et malheureusement, nos artistes de Côte d'Ivoire qui sont en tête de liste aussi, ils se sont même pas concertés pour faire tous le même jour. Et aujourd'hui, ça nous peine parce que on a Kérosène qui fait son concert aujourd'hui. On a Didi B qui fait son concert aussi. Et on a Willy Dombo. Et les 3, on les adore. Et malheureusement, les gens t'ont pas dit, t'ont pas consulté. Donc j'espère vraiment de tout cœur. Que ton concert va cartonner et que vraiment la salle va être remplie parce que nous-mêmes on n'est pas content de comment les choses sont organisées ici. On aurait aimé que chaque jour, parce qu'on n'est pas dans le mois de décembre, chaque jour il y a un concert où on pourrait aller vraiment soutenir les gens. Voilà. Aujourd'hui, voilà, moi, je suis assis ici. Demain, mes 3 gars prestent. Je ne sais même pas comment il faut faire plaisir aux 3, sincèrement. Je ne sais même pas aujourd'hui comment faire plaisir aux 3. Parce que la journée est longue. Demain, on en a 4 concerts. On a Willy. On a comment il s'appelle? Kérosène. On a Didi B à la grande salle, Kérosène et Willy. Tenez-vous bien, les 2 encore, c'est au Palais de la Culture. Et on a toi, Ferré, au Palais des Congrès. J'espère de tout cœur, hein, vraiment de tout cœur, que tu vas remplir le Palais des Congrès de tout cœur, sincèrement. De tout cœur. Et que les choses vont se passer pour les 4 personnes magnifiquement bien. Je sais que Didi B est en train de finir en sold out. Je sais que Willy aura les personnes ressources aussi. Je sais que Kérosène aussi a ses fans. Et j'espère aussi que ça sera rempli. En tout cas, c'est le mal que je te souhaite aujourd'hui. C'est que ces 4 concerts aujourd'hui cartonnent. Mais ce qu'on veut demander aux autres,
c'est que dans les jours à venir, dans les années à venir, dans les mois à venir, j'espère de tout cœur que on va coordonner, vous puissiez coordonner les choses pour nous donner aussi, nous, la chance de partir, vous soutenir, vous tous. Parce que demain, vraiment, ça serait dommage. Et je pense que je ne vais aller nulle part pour ne pas qu'un se fâche et l'autre se fâche pas. Et l'autre dit, tu es allé ici, tu n'es pas allé là-bas, tu es allé ici, tu es allé là-bas. Sincèrement. Et je voudrais conseiller aussi aux organisateurs. Parce que, vous voyez, on reçoit un artiste. Comme Ferré Gola, ici en Côte d'Ivoire. Et puis en plus, demain, il y a encore la journée du MMA. On a vu Ngannou qui est arrivé là. Donc vous voyez, tellement il y a tellement d'événements demain que ça va être compliqué pour beaucoup de personnes. Ça va être compliqué pour beaucoup de personnes. Mais à l'avenir, ceux qui ont organisé Ferré aujourd'hui, j'espère de tout cœur qu'eux aussi doivent coordonner avec les dates et les artistes ici pour que, aussi, on ne veut pas que un artiste vienne de l'extérieur, parce qu'on est dans le droit de le soutenir. On doit le soutenir. Même si j'ai vu que les billets sont à 50 000, 100 000 et 150 000, ce n'est pas ça le problème. Mais on ne veut même pas qu'un artiste qui vienne de l'extérieur puisse penser qu'il n'a pas d'admirateur ici et que malheureusement c'est parce que il y a beaucoup de concerts et d'événements le même jour. C'est ce qu'on reproche à tout le monde aujourd'hui. C'est ce qu'on reproche à tout le monde aujourd'hui parce que réellement ça nous fait mal aujourd'hui. Pourtant il faut avoir une solidarité pour créer une alchimie, pour qu'on a le maximum de monde. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent, mais chacun a ses spectateurs, chacun a ses fans. C'est faux. Non, c'est faux parce que je suis autant fan de Didi B, autant fan de Willy Dombo, autant fan de Kérosène que j'aurais aimé participer à tous ces concerts. Et encore, j'ai une invitation spéciale demain pour le MMA. Et parce que j'ai ma fille que j'ai aidée, qui est la championne de Côte d'Ivoire même, qui m'a offert sa médaille d'Afrique demain encore. Voilà ça. Encore, je dois être là-bas. Donc sincèrement, c'est compliqué pour tout le monde. Mais pour finir la vidéo, vraiment, le mal que je souhaite à ces quatre personnes, c'est qu'ils remplissent leur salle. Et même au championnat de MMA, je pense que le championnat de MMA demain, comme c'est un événement où il y a Ngannou aussi, tout le monde va être là-bas pour voir la star. Donc voilà, c'est le mal que je souhaite à tout le monde, ce qu'ils puissent remplir la salle et que les gens gardent de bons souvenirs de tous ces spectacles. Mais je reste convaincu que on pouvait ensemble mettre les choses en place pour qu'on ait la chance de pouvoir faire le nécessaire pour pouvoir faire en sorte que on puisse soutenir tout le monde. Voilà. Si les gens n'ont pas compris comme ça et ils prennent juste le morceau de truc, Ferré Gola ne m'intéresse pas et ils vont venir dire que c'est du boycott. Non, c'est pas du boycott. Ça n'a rien à voir avec du boycott. C'est juste que quand je dis ça, je ne lui en veux pas parce que lui n'est pas censé savoir qu'on a trois concerts ici le même jour. Donc là, on a quoi? Quatre concerts le même jour, une grande finale de MMA qui va regrouper beaucoup de stars. On a des meet-up, on a plein de choses le même jour. C'est ce que je trouve dommage. Sinon, on souhaite bonne arrivée à notre frère Ferré, tout en espérant que
que ça réussisse. Moi, je suis un ami personnel à... au métis. Au métis qui chante beaucoup là-bas aussi, au Congo. Et donc, on s'appelle quotidiennement, c'est mon gars. Donc, il n'y a aucun souci, vraiment. Le souci, c'est juste l'organisation et le fait que tout le monde soit entassé le même jour. Debs, KTG, double discours. Non, moi, j'ai toujours un seul discours, ma chérie. T'inquiète pas, moi, j'assume mes trucs. Moi, Sam, j'assume tout. Et puis, mon cœur ne bat pas. Tu comprends? J'assume tout. Et puis, mon cœur ne bat pas. Donc, si on vous a envoyé en mission, si on vous a envoyé un truc, j'en ai rien, sincèrement, j'en ai rien à cirer. Si c'était Fally qui venait aussi, j'allais dire la même chose, parce qu'on ne peut pas organiser 4 ou 5 concerts le même jour. C'est très clair, c'est très net. Voilà, c'est Redier. Mais c'est Redier, pourquoi ta caméra ne marche pas? En tout cas, on va souhaiter bonne chance à tous. Et... On va souhaiter bonne chance à tous ces artistes qui vont prester demain, tout en espérant que les 4 concerts soient remplis.